Cette action noble, Madame la ministre l'a toujours fait. Madame la ministre, avant qu'elle ne soit ministre, je venais dans cette maison d'une façon discrète, toute seule ou accompagnée d'un membre de la famille du ministre, pour donner à ces jeunes talibés du riz, du sucre ou une enveloppe. Aujourd'hui, Madame Aminata Angélique Manga est nommée ministre de la République. Donc, toutes les actions qu'elle peut mener dans le social, nous lui avons demandé que ça soit quand même dans les médias pour que ça serve d'impact et que tout le monde adhère à cette cause noble qui est le social. Tout à fait, cet idéal, elle est permanente pour moi parce que d'abord, je suis assistante sociale. J'ai le social de Madame le ministre. C'est une action pérenne. Tous les jours que Dieu fait, moi, j'accompagne, ma délégation et moi, nous accompagnons les œuvres sociales de Madame le ministre. Hier seulement, nous l'avons fait dans un orphelinat. Aujourd'hui, nous sommes chez le coordinateur des marabouts des Dara, Tierno Ibrahima Camara. Tout à l'heure, nous allons continuer cette même œuvre. Madame le ministre Angélique, ce qu'elle fait, elle le fait d'abord pour la population de Jigenshor, mais surtout pour le président Macky Sall, qui, vous le savez, lui aussi fait du social. Je crois que c'est l'année sociale. N'est-ce pas que le président l'a dit, que cette année est l'année sociale. Donc, c'est pour ça que nous, les membres de Madame Aminata Angélique qui faisons la politique de Madame le ministre, nous avons surtout mal à la chargée du social. Avec ma délégation, nous sillonnons toute la région naturelle de Casamance pour justement accomplir cette œuvre noble. Nous voulons justement demander des prières et le marabout l'a formulé pour nous et pour le ministre et pour le président Macky Sall. Mais je suis sûre et je reste convaincue qu'au deuxième mandat, il l'aura, Inch'Allah. Madame la ministre Aminata Angélique, toute petite, elle a toujours œuvré dans ce sens. Elle a toujours œuvré dans le social. Ses parents, elle est née d'une famille quand même qui œuvre dans le social. Et c'est une continuité. Madame la ministre va le pérenner. Parce que tous les jours, je vous dis, elle le fait. Elle adhère dans le social, surtout pour les couches démunies, pour les orphelins, pour les talibés, pour les femmes, Madame le ministre, pour les malades, surtout les cas sociaux. Hein. Et vraiment, je vous l'ai dit tantôt, maintenant que les ministres, c'est nous qui lui avons demandé, maintenant que les médias nous accompagnent. Parce que de tout temps, elle a œuvré pour le social.